C'est une fidèle maintenant, c'est ma cliente. Qu'est-ce qu'il regarde, lui, là-bas? Il veut me foutre la trouille en faisant les gros bras, genre je suis un tueur. Il nous l'a joué à l'ancienne. Faudrait pas qu'il nous pousse à lui coller un flingue sur la tempe, hein, pis. Tu veux que je m'occupe de lui? Non. Laisse-le respirer. Il emmerde ma mère, c'est un homme mort. Je lui montrerai qui est le plus fort. Sérieux. Je lui ferai connaître ma lame. Tant qu'elle s'éclate bien, il restera en vie. Il n'y aura pas d'état d'âme. Il faut espérer que son cul m'entende aussi. Je t'entends. C'est bien le problème avec vous, les petits blacks. Vous croyez tout savoir sur ce putain de système dehors. Mais vous savez que dalle. À ce que je vois, t'as réussi à te monter un business. C'est très bien, ouais, c'est très bien. Tu commences à palper. Mais quand tu commences à palper, il y a des règles à apprendre si tu veux continuer. Tu dois apprendre à faire la différence entre les armes et le beurre. Eh oui, c'est ça. Il y a deux types de blackos dans le monde. Les blacks avec des armes et les blacks avec du beurre. Les armes, qu'est-ce que c'est? Les armes, c'est ta seule vraie richesse. C'est des valeurs boursières. Des œuvres d'art, tu vois, des conneries qui se monnaient et qui grimpent en valeur. C'est quoi le beurre? Une caisse, des fringues, une montre, toute cette gamme de merde que t'achètes et qui vaut plus rien une fois que tu l'as. Cherche pas ailleurs, mec. Des armes et du beurre, point barre. Vous êtes même pas fini. Tu vois maintenant ce que je disais? Cette enflure me sort ces putains de phrases à la con à chaque fois, et ça tous les soirs. Quoi?